retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui coloriage, j'ai repris mon carnet d'Emmanuel Collin. Voilà, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Donc j'ai repris donc un coloriage d'Emmanuel Collin sur le carnet Wild 1. Et j'ai commencé par faire un fond. Ça y est, je commence à prendre plaisir à faire des fonds. Donc j'ai fait un fond, je me suis servi de la technique avec le dry wing gum, donc vous verrez, je vous explique pendant la vidéo. Je me suis servi donc du dry wing gum en pot, en stylo, j'ai fait le fond en aquarelle, voilà, et j'ai commencé également le coloriage donc avec mes crayons Prismacolor. Donc vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Donc je donne quelques explications dans la vidéo. Et bien sûr, vous avez les post-it pour les crayons de couleur à chaque fois qu'il y a le changement de crayon de couleur. Voilà, ça y est, maintenant j'ai pris l'habitude de vous mettre ça. C'est beaucoup plus simple pour moi et pour vous pour savoir quel crayon j'utilise à quel moment. Donc, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo en espérant qu'elle va vous plaire. Si vous avez des questions sur les techniques que j'utilise dans cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vais vous mettre également en barre d'infos tout le matériel que j'ai utilisé. Comme ça, vous pourrez le retrouver avec tous les liens. Et puis, voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, je ne fais pas plus de blabla parce que sinon la vidéo va être très longue mais on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Allez, je vous fais plein de gros bisous, mais dans la vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage, à bientôt, bisous bisous. Alors, sur ce coloriage, on va utiliser le dry wing gum pour délimiter le dessin, puisque je vais faire un fond à l'aquarelle. Donc voilà, j'utilise donc un pinceau assez fin, puisque là je ne vais pas mettre la gomme sur tout le dessin, je vais en mettre juste sur le bord de tout le dessin pour bien délimiter. Voilà, donc bien sur toutes les parties qui sont sur le bord, sans oublier même les tiges de feuilles, etc. Donc je rappelle que pour ça, le dry wing gum, donc il faut utiliser un pinceau unique, c'est un pinceau que j'utiliserai que pour cette technique, hein, puisqu'à la longue ça va abîmer votre pinceau. Et vous devez préparer à côté de vous un petit pot d'eau avec quelques gouttes de produit vaisselle dedans pour rincer votre pinceau. Alors humidifiez d'abord votre pinceau et rincez votre pinceau après. Donc ne faites pas des couches très épaisses avec la gomme, ça sert à rien, une couche fine suffit. Et donc quand vous avez terminé de faire tout le tour de votre dessin, il faut laisser sécher. Donc ça peut aller de quelques minutes, sinon en une heure c'est sec, hein, y a pas de problème. Voilà, je vous laisse regarder donc cette étape et on se retrouve tout de suite après.
Voilà, j'ai fini la première partie, donc j'ai bien mis du brown gum sur tous les bords du dessin, vous voyez, donc tout est protégé maintenant. Là maintenant, vous allez voir, je vais utiliser le stylo brown gum. Alors là, c'est la première fois que je l'utilise. Alors pour utiliser le stylo brown gum, donc c'est le même produit hein, qui est dedans. Il faut donc d'abord le secouer un peu au début et ensuite il faut appuyer plusieurs fois la pointe donc sur un papier, faire rentrer sortir la pointe plusieurs fois, vous allez voir, voyez, comme ça, pour faire sortir le produit sur la pointe. Donc moi je vais faire des petites étoiles, voilà, donc des petites étoiles avec juste des branches droites. Alors j'ai eu un peu plus de difficulté avec le stylo. Le produit est un peu plus compliqué à sortir. Alors c'était la première fois que je m'en servais, donc est-ce que c'est pour à cause de ça ou alors est-ce que c'est un problème? Je vais voir à l'usage par la suite pour d'autres dessins quand je l'utiliserai. Mais vous verrez tout à l'heure que j'ai par contre quelques difficultés pour retirer la gomme justement quand j'ai utilisé le stylo. Et voilà, je fais quelques petites étoiles. Donc on s'en sert comme d'un stylo normal. Et quand on voit qu'il n'y a plus de produit, ben, on appuie un petit peu sur la pointe. Voilà, les petites étoiles sont faites. Mais bon, à voir à l'usage pour ce produit. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et maintenant, donc, je prépare mon aquarelle. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les liens de tout le matériel que j'ai utilisé pour faire ce coloriage. Donc là, j'ai utilisé, alors pour faire sur un mélange de rouge et de jaune. Et j'ai fait deux nuances, donc un orangé très clair qui tire plus sur le jaune et un orangé qui tire plus sur le orange. Donc là je fais mes mélanges sur la palette hein, avec mon pinceau à réservoir. Et donc avec le drawing gum que j'ai mis autour du dessin, voilà, j'ai plus à me soucier de savoir si je vais déborder ou pas sur mon dessin. Je vous laisse regarder cette partie de coloriage en aquarelle et on se retrouve après.
Mon aquarelle est terminée, donc voilà le résultat. Donc maintenant, j'ai laissé sécher bien sûr entre deux. Donc maintenant, je peux retirer la gomme. Donc moi, je retire avec mon doigt, ça suffit très très bien. Donc vous frottez légèrement avec le doigt. Donc ça ne va pas abîmer l'aquarelle, hein, pas du tout. Mais faites bien attention de laisser bien sécher l'aquarelle avant, hein, bien sûr. Et donc vous passez, et on n'a plus qu'à passer le doigt partout où on a mis le drawing gum pour le retirer. Voilà. Donc ça va très très vite, hein, c'est très simple à retirer. Donc ça n'abîme pas le papier. Et ça se retire même en tirant dessus. Voilà, et ce que je vous disais tout à l'heure, pour les étoiles, voilà, vous allez voir, vous voyez, j'ai un peu plus de mal à retirer là où j'ai passé avec le stylo. C'est un peu plus difficile à retirer. De gratter un petit peu, pourtant j'ai pas mis grand chose, hein, mais là j'ai vraiment un peu plus de difficulté à retirer là avec où j'ai fait avec le stylo. Alors le papier des carnets d'Emmanuel Collin, c'est un peu, ça ressemble un peu au papier Canson, donc c'est un papier quand même assez solide, heureusement. Voilà, je suis obligée de frotter quand même, d'insister un peu plus pour l'enlever. Donc là, je vais même essayer avec une gomme de crayon, parce qu'il y a des parties qui ne veulent pas partir. Je resserrerai, hein, pour un autre coloriage avec le stylo, je verrai, en faisant d'autres motifs, je verrai si ça me fait encore la même chose ou pas. J'ai d'autres idées de motifs, mais bon, on verra bien. Là, j'ai retiré le ruban que j'avais mis en haut, voilà. Ici. Alors maintenant je vais utiliser deux stylos, alors, c'est des gel pen d'action à paillettes, donc je vais remplir là où j'ai mis les étoiles, je remplis donc avec ça, avec un stylo donc orange pour les étoiles du bas, et celle du haut je vais utiliser le jaune. Donc là c'est à paillettes, donc ça brille un peu, voilà. Mais bon, j'ai un peu de mal à le mettre parce que je sens qu'il reste une surface quand même un peu du drawing gum avec le stylo. Mais bon, ça ne se voit pas. Voilà, là je prends le jaune paillette. Donc ça c'est les stylos que je vous avais montré la dernière fois.
petites étoiles sont faites. On voit pas très très bien la caméra, aussi ça brille, mais... Et maintenant, on peut attaquer le coloriage. Donc, j'ai utilisé les Prismacolor. Et donc là, je vais vous laisser regarder le coloriage. Donc, comme vous voyez, j'ai bien mis mes post-it. Donc, vous avez les numéros des crayons que j'ai utilisés. Donc, je vous laisse regarder donc le coloriage. En espérant que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les différentes techniques que j'ai utilisées pour ce coloriage, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous en attendant et je vous souhaite une bonne suite de visionnage. Bisous, bisous!